La vie de Sainte Rita, 7e épisode. En 1381, dans les montagnes d'Ombrie, fille unique d'Antoine et Amatalotti, Rita, tout enfant, est comblée de grâce. Elle perd ses deux fils après la mort de ses parents et de son mari, Paul de Ferdinand, dont elle avait obtenu la conversion. Elle entre alors au couvent de Sainte-Marie-Madeleine de Cachéa, où elle est miraculeusement conduite par Saint Jean-Baptiste de Saint Nicolas de Tolentino et Saint Augustin. Sa sainteté dès lors se manifeste en elle, car elle participe à la passion du Christ, en portant au front une plaie douloureuse et malodorante. L'année du jubilé 1450, sœur Rita conduit ses sœurs en pèlerinage à Rome. Pour la circonstance, le Seigneur a rendu invisible la blessure qu'il a fait pourtant cruellement souffrir. Les chemins mènent à Rome. À la tête de la petite délégation, la supérieure de Sainte-Marie-Madeleine a placé la plus âgée, la plus sage aussi de ses filles, sœur Rita. Affaiblie par la soixantaine passée et par de continuelles mortifications, celle-ci va souffrir sans doute plus que les autres au cours de ce pénible voyage. Mais personne n'en saura rien. À ses fatigues personnelles viendra s'ajouter encore le souci de veiller sur ses sœurs. Elle organise de son mieux la subsistance matérielle du petit groupe, mais elle ne serait pas Rita si elle exerçait cette responsabilité selon les normes humaines. Au départ, l'abbesse a donné à chacune une petite somme d'argent pour faire face aux besoins de la route. À peine les clochers de Cachia ont-ils disparu de l'horizon, que l'une des sœurs commence à se tourmenter. Aurons-nous assez pour aller jusqu'au bout? C'est loin, Rome. Que deviendrons-nous s'il nous arrive de manquer de victuailles? On passe, à ce moment, sur un pont du Corno, le fleuve familier qui rappelle tant de souvenirs à Rita. Se retournant brusquement, celle qui fut l'épouse de Paul de Ferdinand fouille dans les profondeurs de ses poches monacales et, en extrayant les quelques pièces qui lui ont été remises personnellement, d'un geste négligent, elle les jette dans l'eau courante. Cri de surprise et d'indignation de la part de ses compagnes. « Oh, sœur Rita, que faites-vous là ?» « Confiance à la Providence, répond sans se troubler celle qui deviendra la sainte des impossibles. » Au fur et à mesure qu'elles avancent, les compagnes de Rita constatent qu'elle a eu raison de ne pas s'inquiéter du lendemain. Les haltes se font au gré des circonstances dans des couvents ou chez des particuliers hospitaliers envers les pèlerins. Parfois, cependant, il faut dormir à la belle étoile, se nourrir de peu. Jamais, toutefois, elles ne manqueront du strict minimum indispensable. Quand leurs ressources s'épuisent, elles arrivent toujours à un secours inattendu, une offre d'hébergement. Pourtant, l'attrait du changement de l'aventure commence à s'estomper devant la longueur et les difficultés du voyage. Chacune a à porter avec elle son propre tempérament et réagit suivant ses problèmes de santé ou de caractère.
le groupe progresse lentement, priant ou chantant des hymnes, suivant le moment. Mais, aux arrêts, il est permis de parler et les récriminations se font jour. L'une souffre des pieds, l'autre croit voir partout des bandits embusqués. Et l'on a recours à la protection, au conseil, à l'arbitrage de sœur Rita. « Je n'ai plus la force de repartir, sœur Rita. »« Sœur Rita, entendez-vous ce hurlement dans le bois ?»« Ou bien, telle ou telle se plaint de ce qu'une de leurs compagnes l'a empêché de s'endormir la veille au soir, en récitant ses prières tout haut. » Rita rassure, calme, offre son bras aux plus fatigués, encourage les craintives. D'autre part, à mesure que le temps passe, les jeunes religieuses auraient tendance à relâcher un peu la discipline habituelle, à bavarder inconsidérément avec leurs hôtes ou bien avec d'autres voyageurs. Rita les reprend doucement mais fermement. « Mes sœurs, nous devons nous conduire hors de la clôture comme à l'intérieur de la clôture. » Faute de pouvoir nous retirer dans notre cellule ou dans notre chapelle, retirons-nous en nous-mêmes. N'adressons la parole à autrui qu'en cas de nécessité ou de charité et offrons nos incommodités à notre Seigneur qui a supporté bien pire. Elle n'en finit pas cette route du pèlerinage. Si tous les chemins mènent à Rome, ceux de ce 15e siècle sont particulièrement tortueux, chaotiques, malaisés. Il faut gravir le flanc des monts, redescendre dans les vallées, passer les fleuves sur des ponts branlants ou effectuer de longs détours pour trouver des gués. Le printemps, long à s'établir, fait alterner la pluie et le soleil. Puis, brusquement, la chaleur arrive, rendant la marche de plus en plus pénible. Enfin, par un beau soir de mai, tout animé de crissements de cigales et de vols d'hirondelles, Rita et ses sœurs arrivent sur l'une des collines dominant la ville éternelle. Spontanément, elles entonnent en chœur un chant d'action de grâce pour remercier le Seigneur de les avoir conduites à bon port. Quelques-unes voudraient pénétrer tout de suite dans la cité à peine entrevue. Elles ont hâte de commencer leur pèlerinage, maintenant qu'elles touchent au but. Rita, si elle était seule, s'élancerait immédiatement vers les sanctuaires, fût-ce sur les genoux. Mais consciente de ses responsabilités, elle tient à ce que ses compagnes se reposent, se restaurent, avant d'affronter la cohue et les fatigants exercices du jubilé. Sans peine, elle trouve un monastère ouvert aux pèlerins où chacune se refera des forces en attendant le lendemain. Les religieuses de Cascia entrent dans Rome par la voie Flaminia. Elles ont eu auparavant une vue d'ensemble de la ville immense. Évidemment, la coupole de Saint-Pierre n'existe pas encore, puisque la basilique n'est formée que de 5 nefs de construction ancienne qui seront remplacées plus tard par un nouvel édifice plus majestueux. Toutefois, telle qu'elle est, cette grande église impressionne énormément les voyageuses. C'est là qu'elles vont pénétrer en premier lieu, pour y commencer leur dévotion par une prière au tombeau du chef des apôtres. Avec une indicible émotion, elle s'approche de cette dalle sacrée. Malgré la longue attente, le piétinement, elles apprécient la grâce qui leur est faite. Au bout de tant de peines, se replonger à la source de l'église, retrouver le souvenir, la trace des saints et des martyrs. Rita en particulier
mesure mieux ainsi la solidité du lien tissé entre Jésus crucifié et son peuple de la terre. Mais ce qui va la toucher au cœur, la transporter d'amour et de douleur, ce sont les instruments de la passion exposés à Saint-Pierre à l'occasion du jubilé. Elle défaille presque en contemplant avec effroi la lance qui servit à un soldat romain pour percer le côté du crucifié afin de vérifier s'il était bien mort. « Oui, Seigneur, murmure-t-elle tout bas, oui, vous avez réellement donné votre vie dans des supplices affreux pour nous, pour moi. » Cette souffrance, elle y participe plus que jamais, car l'épine, qui la transperce toujours en secret, lui cause à ce moment des élancements plus douloureux que jamais. Tout naturellement, Rita se met à méditer sur le mystère de la rédemption, sans voir les pèlerins qui la pressent d'avancer, ni ses compagnes qui la tirent par la manche en chuchotant. « Sœur Rita, nous ne pouvons pas rester ici. On nous pousse. Nous gênons le passage. » Enfin, revenant à la réalité, elle suit les autres et se trouve devant une autre relique plus émouvante encore que la première. Le voile sur lequel Véronique, en retour de sa compassion, vit s'imprimer les traits sanglants du Sauveur. Nouveau déchirement. Tempéré cette fois par la pensée du réconfort offert à Jésus par cette humble femme qui, elle, avait su aimer au milieu de tant d'abandon. Mais la pensée de ce visage en sang la hante. Maintenant qu'elle a vu, ses oraisons vont prendre une autre dimension. De nouveau, l'épine la blesse cruellement, la blesse jusqu'au cœur. Le pèlerinage se poursuit au milieu d'une affluence toujours plus considérable. Les religieuses de Cachia continuent les jours suivants les visites de sanctuaires, Saint Jean de Latran, Sainte Marie Majeure, Saint Paul hors les murs. Autant de communions ferventes, autant d'occasions de prier longuement. Mais aussi, que de pas, de démarches, de bousculades, d'attentes parmi les files interminables. Le soleil commence à réchauffer fortement dans la cité poussiéreuse. Rita accepte courageusement pour elle-même ses inconvénients. Elle ne sait plus si elle a chaud, si elle a faim, si ses jambes lui font mal, tant la ferveur l'emporte sur les considérations humaines. Seulement, elle n'oublie pas ses compagnes, moins stoïque qu'elle-même. Quoique endurcie par le voyage, celle-ci donne des signes de fatigue, de faiblesse. Il faut donc prendre soin d'étaler les allées et venues,
les exercices de piété afin de leur donner un peu de répit. Les moniales de Cachia tiennent naturellement à recevoir la bénédiction du Saint-Père. De l'audience publique à laquelle elles ont eu le bonheur de prendre part, elles vont apporter au couvent des grâces spirituelles pour toute la communauté. La barque de pierre menacée de naufrage, toujours assaillée, mais toujours victorieuse. Rien ne l'empêchera à travers tous les âges de naviguer sur cette mer orageuse. Très Saint-Père, pour nous, vous calmez nos frayeurs, vous nous rappelez les vraies valeurs, la foi, l'espérance et la charité. Ces vertus divines seules sont vérité. Sans imposer la force et condamner personne, vous savez proclamer sans cesse à tous les hommes que Jésus-Christ est seul, lumière des nations, lumière qui les guide à la conversion. D'où Christ de la terre et pape de Marie, dans un monde qui coule et se désespère, vous parlez d'espérance et redonnez vie. Votre voix traverse même les déserts. Successeur de Pierre, apôtre infatigable, comme un laboureur, vous ne trenez. Nous vous aimons, doux Christ de la terre. Elle ne saurait quitter Rome sans avoir admiré les principaux monuments que l'on y trouve alors. Dans les catacombes, on respire le même air que tant de fidèles de jadis, obligés de se cacher pour célébrer le culte du vrai Dieu. On peut suivre les pas sanglants de ceux qui, traqués sans merci, furent emmenés vers le Colisée. Oh, cette arène tragique qui vit périr au milieu des supplices, hommes, femmes, enfants, coupable seulement d'avoir aimé Jésus. La petite sœur qui, en route, avait peur des animaux de la forêt, frémit d'horreur à l'évocation des bêtes fauves déchaînées. Toutes unissent leurs peines, leurs efforts, leurs renoncements à ceux de tous ces chrétiens héroïques qu'on propose en exemple à leur piété. Les religieuses de Cachia reviennent à Saint-Pierre peu avant leur départ, pour une cérémonie solennelle qui ne fait plus partie des exercices du pèlerinage. La canonisation solennelle du franciscain Bernardin de Sienne. Chant, lumière, éloge du nouveau saint. Haute personnalité en grand apparat. Jamais elle n'avait rien vu de pareil. Au milieu de ces splendeurs, les pas discrets de Rita n'éveillent que de faibles échos sous les voûtes de pierre. Elle se tient humblement derrière un pilier pour suivre avec ferveur cette célébration qui donne déjà un aperçu du paradis. Elle est loin de se douter que, quelques siècles plus tard, c'est pour elle que sonneront les carillons, que brilleront les cierges, que seront chantées des prières reprises par des milliers de voix. Oui, pour la petite religieuse des montagnes d'Ombrie, devenue Sainte Rita,
portée sur les autels à son tour. Pour le moment, il n'y a dans un coin de l'immense nef que l'humble sœur Rita. En dépit de tout son courage, elle pense maintenant au chemin qui reste à parcourir pour regagner Cachia, et le couvent Sainte-Marie-Madeleine lui paraît lointain, lointain. Sur les routes qui les ramènent à Cachia, les religieuses marchent de nouveau en priant et en chantant. Mais aux heures de détente, elles ne manquent pas de sujets de conversation. Ceux-ci sont trop nombreux peut-être aux yeux de Rita, qui voudrait, telle la Sainte Vierge, conserver en silence toutes ces choses dans son cœur. Elle peut toutefois difficilement empêcher ses compagnes d'échanger entre elles leurs impressions, leurs réflexions. Et puis, sur le chemin du retour, on les interroge. Ceux qui n'ont pas eu le privilège d'accomplir ce pèlerinage leur demandent de raconter, de décrire. Elle manquerait à la charité si elle s'y refusait. La lumière ne doit pas rester sous le boisseau. Il en est de même à Cachia lorsqu'elle retrouve enfin leur monastère. Les grâces rapportées de Rome rejaillissent sur toute la communauté. Les fidèles qui reviennent de la ville éternelle sont en ces temps de voyage malaisés, l'objet d'une haute considération. En France, au début du siècle, la mère de Jeanne d'Arc, ayant pu s'y rendre, ne fut-elle pas connue jusqu'à la fin de sa vie sous le nom d'Isabelle Romée? Si les termes employés en nombril sont différents, le prestige n'en est pas moins grand. Rita ne s'en préoccupe pas. Sur l'ordre de la supérieure, elle a, devant les sœurs demeurées à Sainte-Marie-Madeleine, relaté ce qui lui paraissait essentiel. Pour elle, l'essentiel, c'est le point de vue strictement spirituel. Ses auditrices, cependant, sont avides d'autres détails qu'elle laisserait volontiers dans l'ombre. L'abbesse, heureusement, pose elle-même des questions complémentaires et permet à ses filles de l'imiter. Celle-ci ne s'en prive pas. Décrivez-nous la basilique Saint-Pierre, sœur Rita. Y avait-il beaucoup d'étrangers à Rome? Parlez-nous du Saint-Père. Rita répond de son mieux. Puis, ayant dit ce qu'elle avait à dire, elle retourne sitôt libérée se recueillir dans sa chère cellule. Depuis qu'elle a vu les reliques de la Passion, elle multiplie pénitence et oraison avec l'impression que, jusque-là, elle ne savait pas vraiment aimer. Quelques jours après son retour, elle constate que ses sœurs recommencent à s'écarter d'elle. Portant la main à son front qui n'a jamais cessé d'être douloureux, elle sent que l'épine a reparu et que le pus recommence à couler. Déjà l'atmosphère autour d'elle recommence à se retrouver empestée par la terrible odeur. Pose sur nous tes yeux, Sainte Rita, je fais une prière là devant toi pour que nos vies entières soient exaucées de tes bienfaits si doux. Pour tout cela, je t'implore à genoux, Sainte Rita,
innocents qui sortent de l'enfance et la folie des hommes ici-bas, du haut des cieux, ne les condamne pas. Sainte Rita demande à notre Père de nous aider à chasser la misère, de nous sauver en nous donnant la foi. Si tu le veux, je sais qu'il t'entendra. Mis le cœur au supplice, sans nul regret de perdre tout de toi. Tes chers petits dont tu guidais les pas, Sainte Rita, Madone d'espérance, en te voyant, Jésus dans sa clémence, du haut du ciel, t'a prise par la main. Ta vie, il refit le chemin. Sainte Rita, il fit de tes nuits noires un paradis, une si belle histoire. Des jours si beaux que le monde en pleura, et dans sa gloire, il se pencha vers toi en te confiant sa couronne d'épines. Tu serras tout contre ta poitrine, dans un grand ciel illuminé de joie. Jésus alors t'a prise dans ses bras. Sainte Rita, épouse souveraine, toi qui connais le malheur et la peine, de tout là-haut, bien loin du fond des cieux, que demain les hommes soient plus heureux. Plus heureux. Merci Roland Gerbeau. Amis auditeurs, je vous rappelle que si vous souhaitez vous procurer cette très belle chanson, elle se trouve à l'église de l'Annonciation, à Sainte Rita, dans le Vieux-Nice.